village des Combes de la Martelle a été créé en 1980, donc ça va faire 40 ans. Toujours dans la passion du Springer essentiellement et du Teckel que j'ai connu toute petite. Et sous la fixe des Combes de la Martelle. Alors le Springer est un chien de chasse bien sûr, leveur de gibier avant tout, chien de rapport, chien d'eau, et c'est un chien donc qui ne fait pas l'arrêt, qui vous chasse à 30 mètres sous le fusil et qui peut éventuellement aussi être un très bon chien truffier et qui a besoin essentiellement du contact avec son maître. C'est-à-dire que ce n'est pas un chien de chenil, c'est un chien qui vit avec son maître et qui partage tout avec son maître et sa famille, bien sûr. Les différentes couleurs du Springer. Alors déjà nous avons deux couleurs chez le Springer, la couleur foie et blanc, et dans cette couleur foie et blanc nous avons toujours foie et tricolore, voilà, et vous avez le noir et blanc et également le noir tricolore. Malheureusement c'est le seul que nous n'avons pas là, voilà. Donc ici vous avez plusieurs sortes de robes, c'est-à-dire que sur cette femelle, vous avez un foie manteau, tout le corps est pris par la couleur. Il existe la même chose en noir. Et ensuite, vous avez des robes tachées, alors plus ou moins tachées, c'est-à-dire que lui a des taches assez importantes. Là, nous avons des taches qui sont beaucoup plus espacé, et nous avons aussi des mouchetés. Alors on voit, voilà, et ces mouches ressortent quand ils deviennent adultes, parce que petits on ne les voit pas, voilà. Et là vous avez donc une femelle tricolore, voyez, avec les sourcils avec de l'orange. Il est toujours pareil, orange ici, et les taches orangées. Voilà. Le toilettage du Springer.
C'est un chien qui est facile d'entretien, sauf qu'il faut s'en occuper, bien sûr. Alors, l'essentiel, c'est qu'il ait la tête, donc il a ses oreilles qui doivent être démêlées. On doit avoir une tête bien dégagée et une encolure dégagée jusqu'à l'os qui se trouve là. Et à partir de là, on laisse... Ici, vous avez un chien qui est en mue, donc, mais qui a besoin de toilettage quand même un peu. Et donc, à partir de là, on laisse ses franges. Les franges ne se coupent pas. Ensuite, au niveau des pattes, vous devez avoir des franges aux pattes, à l'avant. Il doit y avoir la patte dégagée jusqu'à l'ergot qui se trouve là. Et derrière, la patte doit être... Les pattes ne doivent pas avoir de franges à l'arrière. Ça doit être coupé. Vous avez les franges qui sont aux culottes. La queue, bien sûr, puisque maintenant nous avons des springers avec de la queue. Et sur le dos, le chien est épilé ou trimé. Alors, c'est-à-dire que les ustensiles pour s'occuper d'un springer sont très simples. Vous avez un démêloir Bernina qui vous permet d'enlever, pour nous les chasseurs, toutes les boulettes et les épilés, les herbes collantes, qui va vous permettre de démêler le poil sans faire de mal au chien, aussi bien au niveau des oreilles que au niveau des franges, voyez. Et sur le corps, vous avez besoin d'un trimmer, d'une pierre à épiler, de vos doigts pour épiler. Bon, ici, on est un peu mal parce que la chienne, le poil vient pas comme il faut, sauf là, vous voyez. Voilà. Alors, vous pouvez le faire ou au niveau du springer, du trimmer, ou au niveau des doigts, ou de la pierre à épiler. Voilà. Et ensuite, régulièrement, donc, un bon brossage avec une brosse toute simple qui vous permet d'entretenir le poil de votre chien, et un peigne à puce pour enlever le surplus de poil. Voilà. Donc là, on n'en a pas beaucoup, puisque je vous redis que cette chienne est en mue. Voilà. Donc, on a une spécialiste du toilettage qui peut vous faire une démonstration et s'occuper de vos chiens. Voilà. Et toujours garder la tête bien dégagée. Alors ici, le springer a très souvent une espèce de toupet que les gens laissent, je ne sais pas pourquoi. Et il faut absolument l'épiler. C'est-à-dire que tous ces poils, ils sont bons. Voilà, je te laisse faire. Et on voit que le poil est mûr pour la bonne raison que sur la couleur marron, qui est anciennement foie, le poil est beaucoup plus clair. Voilà. Et ça vient tout seul en plus. Et ça vient tout seul. Donc ça fait absolument pas mal au chien et ça permet d'avoir un chien toujours propre. Il faut toujours prendre un rebrousse. Voilà. Comme ça. Voilà. En ce qui concerne le teckel, bon, pour ma part, à poil dur standard, ce sont des chiens de chasse aussi, bien sûr, de très bons chiens de sang. Ce sont des chiens qui chassent, qui peuvent chasser donc le lapin, le lièvre, le sanglier, et qui peuvent également être de très bons chiens truffiers. Chasseur de grand gibier, je pense que vous devez certainement connaître Gilet Canyon. Au jour d'aujourd'hui, Canyon est une marque référente pour tout ce qui est la protection du chien et tout ce qui va être sellerie principalement. On va avoir donc là le gilet Dog Armor V2,
de chez Canyon. Donc vous avez à l'intérieur une couche thermorégulatrice qui va vous permettre de protéger votre chien aussi bien quand votre chien va se mettre à courir, va venir en fait, va avoir un effet de refroidir le chien. Quand le chien va s'arrêter, il va avoir un effet en fait de réchauffer votre chien. Votre chien s'en remettra plus facilement les jours d'après pour repartir à la chasse. Vous avez aussi la particularité d'avoir cet emplacement-là pour pouvoir y mettre un collier GPS ou même un collier de dressage. Et le dernier petit point, vous allez aussi avoir le cou où l'on va pouvoir retirer la partie amovible pour avoir encore plus de mobilité au niveau de la tête du chien. Avec grand plaisir, mon ami le docteur Henri Guillet l'ermite, qui a été mon vétérinaire et qui est juge, expert confirmateur de teckel, toutes variétés réunies, et qui a servi le club pendant une quarantaine d'années, maintenant qui est à la retraite et qui nous manque beaucoup, mais je suis absolument tous ses conseils. Et c'est un peu mon coach, on va dire, d'élevage. Oui, je remercie Kat de m'avoir présenté avec autant de flatterie. Je suis juge, effectivement, depuis 45 ans. Je ne suis plus juge parce que j'ai l'âge canonique de 80 ans. J'étais vétérinaire de profession, effectivement. Je connais Kat depuis bien des décennies. À l'époque, elle était éleveuse de chèvres. J'étais donc son vétérinaire rural. Et maintenant, j'ai toujours été son conseiller, son vétérinaire. Et j'ai toujours beaucoup apprécié ses qualités d'éleveuse, son honnêteté, sa rigueur dans l'élevage. Oui, quand je dis que je suis juge, je tiens à préciser que je suis juge spécial. Ça veut dire que je juge que les teckels. Or, maintenant, on a tendance à avoir des juges qu'on appelle all-round, qui jugent X races. Et pour moi, c'est une aberration, parce que pour juger un chien, il faut vraiment connaître le standard. Et quand on juge 10 races dans une même exposition, je considère que ce n'est pas des jugements toujours très pointus. Voilà. Alors c'est pour des raisons économiques, mais les juges spéciaux, on juge toujours obligatoirement quand il y a des expositions spéciales teckel. Alors, Henri, nous sommes en présence d'une de mes dernières recrues, Pompelup des Combes de la Martelle. Et je voulais savoir votre avis sur, en tant que juge, sur cette chienne. Voilà, qui est bon. Toute jeune. Et... Oui, je ne l'ai pas revue depuis quelques mois, je l'avais vue petite. Et vraiment, je suis impressionné à première vue en voyant cette chienne qui a apparemment beaucoup de qualité. Oui, donc j'observe d'abord l'allure générale du chien et sa conformation générale, et après dans les détails on regarde beaucoup la tête. La tête, c'est les mâchoires, c'est la mâchoire, la position des dents. C'est assez rigoureux, c'est assez exigeant. Après les yeux, bien sûr, l'expression féminine, masculine, c'est différent. Un mâle a une tête plus grossière, ça se voit. Après, l'aspect général, on regarde la construction générale, c'est-à-dire en commençant par les aplombs avant, aplombs arrière,
Qualité du poil, quand il s'agit de poil dur, on est assez exigeant, parce que le poil dur de grande qualité est rare, et là, sans flatterie, c'est un très très bon poil, mais je connais son père et sa mère, ça ne m'étonne pas. Ce sont des origines de grande qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'une manière générale, voilà, une chienne qui est un petit peu juvénile encore, ça se voit, elle manque pas de puissance, mais d'importance. La poitrine est un petit peu effacée, mais ça c'est normal à son âge. En tout cas, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Voilà, je suis très heureux de l'examiner. Alors voici le père de la chienne que vous venez de voir. On voit de suite la différence entre un adulte et un bébé, quoi en fait. Donc voilà, et en plus c'est un chien qui a déjà fait ses preuves et qui a l'habitude de se présenter, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un certain travail pour les présenter. Voilà, le chien donc est beaucoup plus éclaté. Alors déjà je suis très heureux de voir, je le vois de temps en temps, mais nous l'avons choisi ensemble dans les Alpes de Haute-Provence, c'est ça hein? Oui. Oui. Il avait quelques mois, 4-5 mois hein, je crois. Moi j'ai toujours tout de suite été séduit par ce petit chien de par sa constitution, même jeune, il était beau, et là il est plus que beau. C'est un très joli chien. Alors, par rapport à sa fille, ils ont des qualités communes, c'est-à-dire le poil, ce fameux poil dur, mais on sent vraiment qu'il est beaucoup plus solide, beaucoup plus puissant. Bon, c'est un mâle, mais il y a de la substance, et c'est ce qu'on apprécie chez un teckel. Voilà, les teckels un peu levrettes, c'est exclu. En plus, il a un caractère en or, il est toujours heureux, il a une robe qui est assez rare, qui s'appelle chocolat, et je pense que ce sera un très bon reproducteur. Il l'a prouvé avec cette première fille que nous avons examinée. Voilà, je suis très heureux de te voir, mon petit Nobel. Du teckel à poil dur hein, se fait par épilation. Il est essentiel au moins deux fois par an, et en sachant qu'il faut toujours garder les sourcils et la barbe. Ici, nous avons une spécialiste du toilettage, et en l'occurrence des teckels, Gwen Toilettage, qui va nous expliquer sa procédure pour toiletter un teckel. Alors, pour toiletter un teckel, tout d'abord, je repousse le poil en arrière, tout en avant. Cette épilation, on peut la faire avec un couteau à épiler ou une pierre à épiler, avec des gants, avec de la poudre d'épilation qui permet de faire partir juste le poil mort. Même avec les doigts, vous voyez, on tire. Et tout vient, parce que le poil a l'habitude d'être toiletté. Alors l'importance du toilettage avant une exposition, c'est de faire partir tout ce poil mort et de faire apparaître son beau poil qui est bien dur et bien brillant et qui on va mettre en valeur ses sourcils et sa barbe, une belle barbe, voilà, des belles pattes. Un beau dos. On va montrer un beau dos bien, bien droit. Il faut absolument faire un entretien régulier, une fois par trimestre, pour les chasseurs, pour les particuliers, pour tous ceux qui prennent un teckel. C'est très important pour leur bien-être, pour leur poil, pour leur peau, pour intérieur, extérieur. Voilà.
Bienvenue au magasin Nature Dog Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous présenter de la nouvelle gamme Essentielle. Cette gamme, riche en protéines et en monocéréales, notamment que du riz. Cette croquette est destinée aux particuliers et aux professionnels désirant donner à leur chien une croquette de très bonne qualité. Elle va avoir un confort important dans la vie de votre chien. Les éleveurs qui nous font confiance, comme Cat Élevage, donnent pendant la gestation à la maman déjà l'essentiel chiot qui permet d'apporter tous les oligo-éléments à la maman pour le développement du chien. Les points importants qu'il faut retenir sur cette nouvelle gamme essentielle, ce sont la haute digestibilité de ces croquettes. Nous avons rajouté aussi de la chondroïtine pour les articulations, de la glucosamine pour les muscles du chien, de la taurine qui va apporter tous les oligo-éléments que le chien a besoin dans une journée.